Salut tout le monde, c'est Jolat. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire merci pour vos retours sur la vidéo du vendredi 13. Dans l'ensemble, vous avez bien aimé, c'était une première pour moi de faire un petit court-métrage comme ça. Et malheureusement, comme vous le savez certainement, cette journée du vendredi 13 n'a pas été synonyme de bonheur pour tout le monde. Bref, moi je suis là pour essayer de remonter un peu le moral des troupes, essayer de vous faire rire un petit peu, vous faire passer un bon moment. Donc c'est ce que j'essaye de faire dans mes vidéos. Sur ce, je vais vous laisser avec la vidéo et on va se quitter tout doucement en musique. Et je vous dis bonne vidéo à tous. Non, bon d'accord, j'arrête avec cette musique, c'est bon. N'empêche qu'elle est quand même bien. Cette tête qu'elle a, elle. Oh, docteur, contre le mur. Monsieur docteur, contre le mur. Petite, allez, vas-y, contre le mur, là-bas. On va faire une petite palpation, ma mère. C'est parti, simple palpation. Non, bah, arrête. Allez, danse. Arrête, mais non. On va vous fouiller, comme ça, simple contrôle de routine. Oh. Après, là, vous pourrez repartir. Pour bien vous fouiller, on va vous emmener au commissariat. C'est quand même mieux. Suivez-nous. Eh, doucement, chauffard, là-bas, là. Doucement, chauffard. Il m'a écrasé. Tout droit, venez monsieur. Venez monsieur. C'est là le commissariat, c'est en face. Circulez monsieur le musicien, allez jouer ailleurs s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Y a pas de soucis. Allez faire de la guitare là-bas. C'est quoi ce bordel? En fait, on va faire une petite palpation rectale ici parce que j'ai pas les clés. Venez, ça bug à mort ici. Gardez votre veste, vous inquiétez pas, ça va aller très vite monsieur. Vous êtes en règle. Voilà, c'est bon, vous pouvez circuler. Au revoir monsieur. Et qu'on ne vous revoit pas, hein. Attention, hein. Vous avez perdu quelque chose monsieur, je peux vous aider, non? Vous m'avez l'air bien suspect. Pourquoi vous reculez comme ça? Face à la police, face à l'ordre, face à la justice, j'ai envie de dire. Vous avez perdu votre langue? C'est quoi ça? Oh. Eh, dis donc, chauffard, là-haut. Monsieur, sortez du véhicule. Ouais. Sortez du véhicule. Tout le monde. Sors du véhicule, là. Monsieur. Contre le mur, là. Contre le mur. Excusez-moi. Je crois qu'on devrait l'emmener au commissariat, lui. Vas-y, je suis monté, collègue, c'est parti. Attends, je pense que tu répares sa voiture, s'il te plaît, on va le mettre à la foule. On va aller le cuisiner, notre suspect, là, un peu, là. Je suis l'otage. Tu vas passer entre les mains de la police. On va faire une petite palpation, ma mère. Attends, je vais. Vas-y, je vais me garer. Vous me faites peur, monsieur. Ramène-le. Allez, venez, monsieur. C'est par ici, là. C'est quoi ce bordel, là? Oui, viens de spawn, non? Attendez, hé. Mais qu'est-ce que ça fout, là, ça? Monsieur Alain, enlevez-moi des menottes. C'est à moi, je crois. Pourquoi? C'est à moi, je crois, s'il te plaît. Pourquoi vous voulez que je vous enlève les menottes? Pourquoi? Enlevez-les-moi. Pourquoi? Non, mais je crois. Ah, c'est à moi, ça. Je crois que c'est à moi, je vais le détruire. Je vous jure. Excusez-moi, je les enlève. Et pas d'entourloupe, hein, je vous préviens. Allez-y. Oui, vous inquiétez pas. Ah, bien joué, GG. Remettez-moi les menottes, s'il vous plaît. Essaye. Si c'est demandé si poliment. Merci, monsieur. Ouais, de rien. Allez, venez, on va vous cuisiner tout ça. On va faire une petite palpation. Peut-être un petit toucher rectal. Ça risque de pas durer longtemps, vous inquiétez pas. Allez. Oh, vous inquiétez pas, monsieur. Allez. Je vais vous plein de trop ici. Avancez, on va passer dans le bureau du commissaire. On va. Mais c'est quoi ce bureau là? Venez monsieur. Avancez, on va faire une déposition. Asseyez-vous en face. Je connais la procédure par cœur. Voilà. On va prendre les empreintes. Asseyez-vous, les chaises sont un peu petites mais ça devrait faire l'affaire. Voilà. Yeah. Vous les avez changées, ils sont mieux que la dernière fois. Disons que je suis assis un peu de travers mais ça fera l'affaire. Alors monsieur le chauffard. Y a pas de problème. On vous a trouvé dans une voiture. Mais non, mais qu'est-ce que vous faites assis sur moi collègue? Mais veuillez descendre de là. Mon dieu, quel goujat! Alors comme ça on joue les chauffards en pleine rue comme ça. Et ça vous dérange pas? Je suis pas chauffard moi. Vous êtes pas chauffard, vous êtes quoi alors? Non, je suis chauffeur. Ouais mais chauffeur qui roule pas bien droit. Et qui roule peut-être un peu vite en ville, moi je dis. Moi je dis ça, je dis rien, moi je l'ai vu moi. Comment on dit ça niveau RP? J'étais un peu drogué. Non, pas drogué, Ah, on fait des aveux? On passe aux aveux? Hein? Alors comme ça on passe aux aveux? Hein? Attention, je vais sortir le bâton rouge. Attention. Non, pas le bâton. Est-ce que vous voulez aller faire un petit séjour en prison? Non, monsieur. Ça vous dit pas? Bon, très bien. Eh ben, vous allez y aller quand même. Bon séjour. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Qu'est-ce que vous faites là? Pas de photo ici, monsieur. Pas de photo. Alors, arrêtez-moi ça. Foutez-moi là, ça au cachot, là. Oh, putain, ils ont fait un rond-point. Mais c'est de toute beauté. Ils ont carrément fait un rond-point, quoi. Excellent. Oui, monsieur le commissaire. Il y a un type qui est suspecté d'être dans Taco Bell habillé en rouge. Pardon? Un type habillé en rouge. Bonjour. Je compte assassiner le commissaire. Monsieur, mettez un avis. Pourquoi je mette un avis de recherche? Je suis désolé, j'ai pas compris, monsieur le commissaire. J'ai rien compris de ce qu'il a raconté. Hop.
On s'arrête. Oh, on me suit. Tu fais complication. Tu le fais complicité. Allez. Complicité. Allez. Mon coéquipier alors qu'il a rien fait, monsieur. Pourquoi vous m'arrêtez là? Qu'est-ce que j'ai fait? Complicité. 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 Complicité, monsieur. Je dis quoi? On va. Vous inquiétez pas. C'est lui qui a dit que j'étais son coéquipier. Écoutez-moi. Simple contrôle de routine. Pas les menottes. J'aime pas ça. Écoutez-moi. Je suis allergique au métal. Écoutez-moi. Simple contrôle de routine. On va aller au commissariat faire un petit toucher rectal. Ça dure pas longtemps. Ça dure 5 minutes. Calme, ok. Si vous avez rien, on vous relâchera. Voilà, tout à fait. Comment ça, vous êtes allergique au latex? Et celle-là, tu la vois, t'es allergique? C'est exactement. Allez, on avance là. On va au commissariat. Tu me tires dessus, je te préviens, je te défonce. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais devoir utiliser la force. Calme-toi. Tu te calmes. On va au commissariat. Attention, allez. Tu m'as tiré une balle parce que je t'ai parlé. Une fois. Deux fois. J'ai une idée, on va voir le maire. Très bien, allez au maire. Allez tout de suite au maire. Allez, c'est parti. Allez, plus vite là. Appuie-y sur ton bouton sprinter là. Je vais t'aider là, je vais te pousser un peu. Je vais te donner de l'élan. C'est parti. Bouyakam, rejoins-moi chez le maire. J'arrive, bébé. On va lui faire. Allez, au maire, monsieur. Avancez dans l'ascenseur. Montez, c'est parti. On va tous aller s'expliquer devant le maire là. Monsieur le maire, un certain. Bonjour, monsieur le maire. Déjà pour commencer, vous êtes bien rouge. Mais il est où le 2 tout à l'heure? L'autre s'est barré. Il s'est barré l'autre là? L'autre il est mort. Il est mort? Ah bah il a dû succomber. Viens là. Ah, bien ici là. Alors, avance, on va aller voir le maire. Pourquoi en fait il est attaché? Parce que il a fait des conneries. Allez, on s'assoit. Vous êtes là pour vol. Asseyez-vous. Alors comme ça, tu veux pas suivre les agents de police? Monsieur, voilà. Quoi? Mais qui c'est qui l'a arrêté? D'accord. Monsieur vous avez quelque chose à me dire tout à l'heure dans le Tout à fait. Bah ça concernait le jeune homme qui était là. Voilà, mais il est parti en tôle, donc affaire réglée. Ah, d'accord. Monsieur, c'est monsieur le maire, est-ce que vous pouvez me faire une commande à la mairie, s'il vous plaît? Je vais bientôt mourir de faim. Je vais appeler un cuisinier, bougez pas. Bonjour, ah bah allez-y, montez, on a besoin d'un cuistot. Montez, j'espère que vous faites des bons petits plats, c'est pour monsieur le maire. Oui, monsieur, je fais des pizzas, Pizza, ok. Bah, oh. Il est où? Putain, il est mort à cause d'une chaise, quoi. Bon, c'est pas grave, on va chercher un autre cuisinier. Allez-y, un autre cuisinier, montez. Montez, monsieur, montez, montez. Attention aux chaises, monsieur le cuisinier. C'est dangereux. Oh, on a perdu un collègue. Monsieur le maire, on vous ramène un cuisinier. Attendez, ouvrez. Oh, attendez, ouvrez. Moi, je suis le goûteur. Je suis le goûteur de monsieur le maire. Donnez-le-moi tout de suite, sinon je vais mourir. Je vous paierai juste après, promis. Attendez, monsieur le maire, je suis votre goûteur. Je veux pas qu'il vous empoisonne. Elle est bonne, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est bon, allez-y. Je viens de manger deux pizzas, tranquille. C'est bon, monsieur le maire, elle est bonne, vous pouvez y aller. Elle est pas empoisonnée. Est-ce qu'ils sont bonnes, les pizzas, monsieur le maire? Vous voulez que j'en goûte une pour vous? Non, c'est bon. Très bien. Un docteur. Il vous faut un docteur? Bon, on va chercher un docteur, vous inquiétez pas. Putain, y a pas de docteur dans cette ville. Vas-y, je vais faire docteur, c'est parti. Je vais aller voir le maire, je suis docteur. Tu t'es mis docteur juste pour le maire? Ouais, je me suis mis docteur pour aller voir le maire. Bon, dis, moi je suis ton protecteur, là. Allez, c'est parti. Taxi, il est long cet ascenseur. Allez, c'est parti. On va aller soigner ces petits bobos. On va aller voir tout ça. C'est parti. Ben non, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Bah arrête, il faut que j'aille soigner le maire, tu rigoles. Ah non, les gars, fallait que j'aille voir le maire. Il a besoin d'un docteur. Monsieur le maire, je suis médecin. Je viens pour monsieur le maire, je suis médecin. Bonjour. Je suis médecin, monsieur le maire. Vous avez commandé un médecin? Oui, on commande. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? De la vie, s'il vous plaît. Un petit peu de santé. De la vie? Je suis un petit peu malade. Très bien. Ah, oh, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, hein. Hein? Ça fait du bien, hein. Ah, voilà. Ah, merci. Par contre, c'est le moment où ça va faire un petit peu mal. Ça fera 1 500 €, monsieur le maire. Ah, c'est le moment où ça fait mal. La facture fait toujours plus mal que le soin. J'ai pas l'argent. Vous avez combien? Je vais devoir vous enlever de la vie, monsieur le maire. Je vais devoir vous enlever de la vie. Monsieur! Donnez-moi un peu d'argent au moins! Donnez-moi un peu d'argent, monsieur le maire, quand même! Monsieur, sinon, je dois vous enlever de la vie, sinon! Je dois vous en. Monsieur le maire, je dois vous enlever de la vie! Donnez-moi un peu d'argent! Il me faut de l'argent!
Il me faut de l'argent, monsieur le maire. Vous avez demandé à docteur? Le maire ne veut pas me payer. Le maire veut pas me payer, là. Oh, les gars. Le maire, il veut pas me payer, les gars. Et donc, alors, c'est bon, j'arrête, c'est bon. Eh, salopard, va. j'arrête, je me casse. C'est bon, je me casse, là. Je me casse. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Eh, vous en sortez bien, monsieur le maire. Sors. Vous en sortez bien, là. Ouais. Il chaîne de l'œil, t'as vu? Il m'a pas payé, là. Pas dans les bois, je te baise et je te passe 30 balles, viens. C'est quoi ce langage, jeune homme, là? Oula. C'est toi. Docteur, j'ai besoin de soins médicaux d'urgence. J'ai le cul en feu, là. Ah ouais? Eh bah, tu sais quoi? Eh bah, je soigne pas les avortons comme toi, moi, salopard, va. Alors, on se casse? Eh, Johnny, vas-y, viens. Je me casse! Avorton, va! Espèce de... cramé, sale bâtard! Espèce de petit avorton, va! Hein? Tu m'as pris pour un vieillard? T'as cru que j'étais... On va te brûler. Tu m'as pris pour un vieillard? T'as cru que j'avais pas la pêche? Alors? Hein? Tu m'as pris pour un vieillard? Avorton, va! Ouais, fais pas le malin, toi, là-bas, là. Va-t'en, t'as raison. Non, mais c'est quoi, ce langage, là? Alors? T'es mort. Comment ça, je suis mort? Qu'est-ce qu'il y a? Tu reviens, en plus? Ah ouais? Tu veux te reprendre une autre branlée? C'est ça? Hein? Ça t'a pas suffi de te prendre une branlée par un vieillard? Hein? Il a cru que je tenais pas sur mes deux cannes? Là, je me suis fait défoncer par contre.